Salut à tous, à tous, c'est Yael, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier pack opening sur ma chaîne sur FIFA 17. On va ouvrir 14 packs, et oui les amis, donc c'est les récompenses des squad builders, des deux squad builders, plus les récompenses de mon fut champion où j'ai fini hors 2, plus un petit pack premium hors que j'ai débloqué comme ça, hein, au calme. Donc voilà. Fini hors 2, hein. Un match près, j'étais hors 1, je suis dégoûté, le dernier match, je le perds. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu, voilà, j'ai fini avec 25 victoires, donc ça passe. Après, donc voilà, les Squad Builder Challenge que j'ai réalisé, que je vous ai montré en vidéo, que je vais vous montrer, je ne sais pas encore. Enfin bref, j'ai 56 000 crédits. J'ai une équipe. J'ai la casette. Il me manque plus que deux joueurs à acheter. Benzema, que je pense que je vais acheter après le pack opening, et il me faut Griezmann. Et après, j'ai mon équipe de rêve. On est parti. On va essayer de les paquer. Si j'ai les deux, ce serait exceptionnel. Enfin bref, j'espère choper au moins un gros joueur. J'ai toujours pas chopé d'animation cette année. J'ai chopé un petit boost à 15 000 crédits. C'est le joueur que j'ai vendu le plus cher, je crois, cette année. Donc ça va être 16 000 crédits. Non, le plus cher, c'est Walker qui j'ai revendu 30 000 crédits. Mais voilà, si je pourrais un peu plus paquer du lourd, surtout que là, c'est beaucoup, beaucoup de gros packs. Donc on va tenter tout ça. On va commencer. Donc vers le fond, on va faire les packs aussi bien sûr, parce que c'est pas de la merde. On a deux packs à 7500, deux packs à 15000, un pack à 25000 or rare, deux packs à, c'est pas des packs à 60000 crédits, ça, des packs méga rares, enfin bref, c'est des énormes packs. 1, 2, 3, 4, 4 packs à 25000 et deux autres packs à 45000, et pour finir un pack de joueurs or rare. Donc on va partir sur ce pack, j'ai envie de commencer par ce petit pack, j'espère choper du très lourd. On commence là, ok, on a de la merde, on a qui? Oula, ça pue la merde, mais totalement ce joueur, ils sont vendables ou pas? Ouais, ils sont vendables, je vais les garder dans mon club, mais je pourrais carrément les discard, tellement que ça pue. Donc c'est pas grave, c'est le petit pack d'échauffement, on a encore 13 packs à ouvrir, j'espère choper, je voudrais juste une animation, une petite animation. Allez, deuxième pack. On est parti, petite étoile, joueur hors rare, Zwolle, non même pas, on a qui? Bowman, qui est le gardien de Fenheim, après qui? Sam, d'accord, on va garder, donc ça je vente rapide par contre, je vente rapide ça, ça c'est légal, on s'en fout totalement, et ça reste par contre. Allez, on enchaîne sur ce deuxième pack, celui-là. On a quoi? Petite étoile, on skip, ça pue la merde, je crois que c'est non, ouais, même pas, noir, genre noir, quoi. C'est la merde. Voilà, ça dégage, le reste, ouais, ça reste dans le club. Voilà, ça peut toujours se revendre, hein. Squad Builder Challenge, faut toujours regarder ses joueurs, hein. Ça peut se revendre. Ah ouais, maintenant on va partir sur les packs à 15 000. Espérons choper du lot, on va poser la mallette. Ah, petite étoile encore, j'aimerais bien taper un gros joueur là. Carrasco? Ah, c'est pas mal, Carrasco, c'est pas mal. Petite étoile, mais c'est quand même pas mal. Ça doit valoir au moins 3000 crédits. 3000 crédits tout cassé. Ouais, 4000, ouais, j'étais pas loin. 4000 crédits, c'est pas mal. Pedro Henrique qui peut se revendre en ce moment grâce au Squad Builder Challenge. Voilà, il vaut 4000, donc c'est pas mal. On a Anthony Modeste aussi qui est exceptionnel cette année. Faut vraiment le dire, hein. Cette année, c'est le meilleur buteur de tous les championnats confondus, donc c'est vraiment énorme. Après, donc lui, tu vas les dégager, on va le discard, les championnats, ça pue la merde, le maillot je le garde parce que... Merde, j'ai fait le coup, je les ai gardés, je sais pas, je vois plus près après. Enfin bref, deuxième pack à 15 000, j'ai envie de skipper celui-là. On va skipper tout de suite. Attention, Mario, oui, non, c'est la merde, putain, j'ai cru... C'est plus la merde, il pue la merde leur parc en fait. Et j'ai eu des joueurs de Suède, en Benfica, un Monténégrin, un Ivoirien, un Croate et un Japonais, frère. Ils jouent à Rangers, mais c'est quoi ce bordel? Enfin bref, on va tout garder. On va par ça qui va dégager, tout ça, je m'en bats les couilles. Thomas Lemar, que je vais bien sûr envoyer vers la pile. D'ailleurs, une petite vidéo va arriver aussi sur la e-league, hein. C'est un championnat, je pense que vous avez déjà entendu parler si vous n'avez pas entendu parler, ça va être un championnat de France avec les équipes de Ligue 1, voilà, ça va se dérouler sur Ultimate Team et il faudra jouer avec une équipe de Ligue 1, donc faites attention, quand ce sera disponible, les joueurs de Ligue 1 risquent d'exploser, donc n'hésitez pas à vous faire une petite équipe, enfin bref, je vais en faire une vidéo bien sûr, on est dessus très rapidement. Donc on va passer quoi? On va passer au pack joueur premium. Ouais, j'aimerais bien, là je veux du lourd.
Là, je vais du loin, les amis. Allez, putain, petite étoile. Sirigu, ça pue la merde, Sirigu, frère. Ça pue totalement la merde. On a Danilo qui peut... Enfin, je sais même pas s'il se revend. Il vaut rien. Mais il vaut rien. Ça pue la merde, ce pack. J'ai l'impression que Tchabalala, quoi. Le mec, il... Ah ouais, bien sûr qu'il est vieux. Le mec qui était à la Coupe du Monde 2010. Allez. On va ouvrir encore un pack comme ça. Moi, skipper vite. Moi, skipper vite. Allez, du lourd. Du lourd. One France, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça. C'est 83 général, ça vaut rien du tout. C'est pas bon, c'est pas terrible du tout ça. Oh, on a Nolan Roux, frère. Quoi ce bordel? Allez, il nous reste encore quelques packs là, il reste des gros packs en plus. Si je tape pas du lourd là-dedans, je suis dégoûté. Allez, ah, grosse étoile! Oh! Oh! C'est quoi cette carte, frère? Waouh, je suis choqué. Bon, ça doit rien valoir parce que la carte est dégueulasse. À moins que... Ouais, ça veut quand même son... Non, ça vaut rien. Putain, je suis dégoûté, ça vaut rien. Putain de sa mère. Ah, je tape une grosse carte et je suis là, rien du tout. Enfin bref, j'avais oublié que ça avait ça dans les packs, j'avais oublié. Putain, quand j'ai vu la couleur, j'ai pensé à la casette. J'ai rien. Mais bon, ça va. En plus, cette année, ce qui est bien, c'est les cartes spéciales. Ils sont pas comptabilisés comme dans les comme les des cartes or, j'ai remarqué ça. Du coup bah on peut avoir des joueurs, on a 3 joueurs or en plus, même si c'est de la merde, on est ici resté qui peut se vendre un peu. Mais voilà, on a un joueur Movember, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est les Movember, ça doit être comme ça. En tout cas, bah le joueur a une carte dégueulasse, hein, faut le dire, il a une carte complètement dégueulasse. Mais voilà, bon, ça fait plaisir, c'est un petit joueur qui se vend. Bah que je vais garder dans mon club, pourquoi pas. On va pourquoi pas le tester ensemble les amis. Je pense que voilà, c'est une sorte de carte uniforme, je crois. Donc. Après à côté de ça, on a qui? On a Torres, on a Cerruti, Zapata, Schmid, Dabella. Ouais, pas mal, c'est pas mal. Bon, ça fait une petite carte qui fait plaisir. Maintenant je vais packer du très joueur. Du. Ça c'est une petite carte qui fait plaisir ça. Mais maintenant je vais packer du crédit, tu vois. Des gros joueurs, une animation. Allez. Allez, yé. Ah putain, la petite étoile qui fait chier Slimani, ça c'est Slimani. Après derrière, est-ce qu'on a notre joueur? On a Slimani, Pereira, ouais, on a deux joueurs avec un beau général, on peut se le dire, mais ça veut strictement rien. Enfin bref, après on a Kirchhoff, le joueur qui doit avoir plus cher dans ces... Ouais, c'est Kirchhoff. Enfin bref. Là on va envoyer parce que ça peut toujours être utile. Mais non, si je fais ça c'est qu'on l'a oublié. Voilà, on envoie. Là on va passer au gros pack les amis, il reste un pack à 25 000, il reste deux packs à 50 000 je crois, je sais plus c'est combien, enfin c'est des énormes packs, c'est des packs méga rares, c'est plus que des packs à 35 000 en tout cas, et deux packs joueurs hors prime, donc on veut du lourd, on veut du lourd, je finirai par ces deux packs, parce que ces deux packs qui peuvent me finir du très très lourd. On est parti par encore, allez les amis, allez, ouh putain c'est de la merde, trap. Trap, qu'est-ce qu'on veut trap, frère? Moi je veux Anthony Lopez encore. Ah, Martial, ça fait plaisir. Martial, ça vaut combien? Ah ouais! Ah, ça fait bien plaisir, les amis. C'est le meilleur joueur que j'ai dans mon pack. Et c'est le joueur que j'ai eu, le plus cher que j'ai eu packé. Ah, ça fait plaisir, Martial. 30 000 crédits que je vais pouvoir revendre. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir parce que je compte pas du tout l'utiliser. Mais vraiment, ça fait plaisir. Un bon petit Martial là. Qui? Ça fait plaisir. Après, voilà. Ah, bon petit joueur. Ah, bon petit joueur. On va packer, là on va passer au bras. Il reste 4 gros packs. Je prie pour avoir du lot. Je prie pour avoir du lot. C'est parti, pack joueur hors prime. On pose la manette. Oh putain, c'est quoi cette étoile, frère? On a qui? Chourleux dans un pack comme ça. Mais c'est pas du respect, frère. Il me donne 6 joueurs. Rare. Il n'y en a même pas un qui passe le 80 de général. Il doit avoir quoi, 2000 crédits à tout casser, lui, Chourleux. Ouais, même pas. Oh putain, c'est plus la merde, on est en rose. Ouais, et j'ai pas de chance dans les packs opening, j'ai vraiment pas de chance en ce truc. À part, voilà, si j'ai Martial, mais bon, j'ai toujours pas eu d'animation alors que j'ai packé énormément de packs. Allez, ce pack là, je le sens bien. On ferme les yeux, on croise les doigts, et là, on va ouvrir. Oh, un boost! Cyprien, une forme, les amis! Et on a eu un boost! Bon, c'est un boost argent, c'est dommage, mais on a eu un boost quand même! Oh.
On a quand même un boost derrière Aki, bon Valdez, ça fait plaisir, bon voilà. En plus je voulais le tester, vraiment, je voulais vraiment le tester, mais de rien valoir. Hein. Quoi? Quoi? Oh, oh là 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 là, il vaut 50 000 crédits mon poteau. Il vaut 50 000 crédits le William Cyprien une fois en mort. Oh là là, je suis refait, ah là je suis refait. Ah ça fait plaisir. Ah je voulais le tester, parce qu'en plus j'ai vu qu'il était une forme, donc je me dis pourquoi pas le tester ce petit Cyprien. Finalement, je revends. Je crois que je vais le revendre. Ah, ça fait plaisir, Cyprien Informe. Enfin, des bonjours dans les packs, les amis. Enfin! Et c'est toujours des Français, en plus. Là, c'est le deuxième Français. En tout cas, là, il reste deux packs. Absolument. À voir du goût. Le premier, on pose la manette. On va avoir une animation. On va avoir une animation. Je sens l'animation, les amis. Je sens l'animation. C'est quoi ce joueur? Putain! Team Kyle, frère. Team Kyle, dans ce genre de pack, c'est pas du respect. Ah, c'est pas du respect. J'ai eu combien de joueurs? J'ai eu presque autant de joueurs que dans un pack à 50 000, mais j'ai eu ce qu'il faut. Bref, après j'ai eu Kick Coleman. Peut-être se revendre 2000 crédits. Ouais, ouais. Roti, Castillo, c'est de la merde. Roni, il s'appelle Roni. Donnez-moi l'autre Roni qui m'intéresse. Tu vois. En doublon, j'ai Fred et Castro. En plus, j'ai encore des joueurs. Là. C'est n'importe quoi. Allez, dernier pack, les amis. On ferme tous les yeux. On ferme tous les yeux, on veut du lot. On ferme tous les yeux. Allez-y, les gars, on ferme les yeux maintenant. Et dans 3, et dans 2, et dans 1, on ouvre. Et on a de la merde. Putain, fait chier. Putain, c'est pas que là, je m'attendais à tellement du lourd et j'ai rien eu en fait. J'ai rien eu, regarde le nombre de joueurs. Frère, j'ai packé Pogba. Bien sûr, c'est pas le bon. Puis j'aurais bien voulu l'avoir le Pogba. Il m'aurait fait dans mon équipe. Enfin, bref, Steiner, Endoy, Winner. Ouais, c'est pas fameux. Bref, un peu... Je suis content. J'ai eu Cyprien, j'ai eu Martial, j'ai eu un joueur Movember. Franchement, j'ai eu des cartes spéciales, ça fait plaisir. Je voulais une animation, mais je suis pas trop déçu. En tout cas, voilà. C'était Yaya. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour ce William Cyprien Informe et pour ce joueur Movember, c'est Corbe, je crois qu'il s'appelle, et pour Anthony Martial, pourquoi pas. C'était Yaya. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.